terrifying, decadent decay. About to blindly walk into the panic. My name is Evelyn Jean, otherwise known as the Real Evie J, and you are looking at Tune Up and Join Us. There's four main protagonists in this painting, or four characters if you prefer. The man on the left, he is a lift attendant. He is pretending that the man in the lift isn't shooting up and that the blue man in the lift isn't about to shoot him. He's also pretending not to notice that someone is about to come along and press the lift button and likely enter into this scene. The person in the blue is clearly dealing with this through rage, anger. He's clearly ready to strike. This person, clearly unable to face reality in any way, shape, or form. They are aware it's going on. It's too real to look at. Just give me a bit of smack. The person on the right, the person in green, they're about to enter the lift. This person is completely unaware of what's happening around them. This person is in perhaps what one might call bliss. Sometimes you do need to tune up and join us. Sometimes you have to call for the lift.
things are not to steal your dreams. Enter sun, enter sun. It's hiding in the trees, and it will never come. Sleep, sleep, there's no moon in the sky. What went out? Things are not to steal your dreams. Enter sun, enter sun. It's hiding in the trees, and it will never come. On the song, you all love that.
Thank you.
la morte qui vient en vie. De l'emporter dans sa salle à manger. Mais la vie a reçu. Qu'un génie cultivé aurait pu l'empitagoriser. Je vais faire une pause. Réveillez-vous, Valérie. Réveillez-vous. Mon portable. Il est où, mon portable? Aucune utilité pour l'instant. J'ai mon portable. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Pour le moment, on veut porter cette image jusqu'à destination. Mais comment? Allez, allez. Mais pourquoi? Une seule condition, ne pas se garder dans l'image.
Mais attendez, monsieur, quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Valérie. Et vous? Valérie, je connais déjà votre nom. Je n'ai pas de nom. Pas de nom ici, donc appelez-moi comme vous voulez. Je vous appelle Emmanuel ou bien Monsieur Calvisi? Mais pourquoi vous suivre? Vous n'avez pas dit. Mais pourquoi vous suivre, Monsieur Emmanuel? Écoutez, moi je pose des questions et vous répondez. J'ai mal à la tête. Est-ce que vous avez du paracétamol par hasard? Pas de paracétamol, mais vous irez mieux dans quelques temps. Mais quel est ce drôle de miroir? Pourquoi dois-je constamment le porter autour du cou? Règle numéro 1, ne jamais regarder sur l'image, sinon vous n'arriverez jamais à destination. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête aussi. Et j'ai trop faim. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que c'est? C'est délicieux, au fait. Comme un sentiment étrange. Ce genre de sentiment... C'est normal. Je vous offre de l'amour pur. Ou peut-être pas. Vous êtes drôle, Monsieur Calvici. Ou bien Monsieur Emmanuel, ou bien Monsieur sans nom. Mais ceci me fait sentir différente. Vous me plaisez maintenant. Même... Je crois que je vous aime. Ou bien pas. Non mais je vous avais dit de ne pas regarder l'image. Maintenant, si vous continuez à regarder, l'image va se casser. Où allons-nous? À destination. Je vous avais prévenu de ne pas regarder dans l'image. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous me donnez des ordres? Ne le faites pas. Je vous avais prévenu, vous n'allez pas arriver à destination. Hé, hey, je vous avais dit de ne pas regarder. Du coup, vous allez repartir derrière parce que vous n'allez pas venir avec moi. Je suis amoureuse de vous. Je voudrais bien venir avec vous jusqu'à destination. C'est votre faute, c'est votre erreur, vous ne passerez pas à la porte. Mais vous êtes stupide et injuste, Monsieur Calvici. Repartez vous regarder dans l'image tant que vous voulez. J'ai des sentiments de plus en plus envers vous. Emmenez-moi! Vous n'avez pas respecté la règle. Et je ne veux pas cette image. L'humain est une image et l'image est un humain. Plus besoin. Ambulance, please. Sample Drive. Yeah, a lady's been hit by a car. She's been knocked off a bike. Okay.